Salut de nouveau, c'est Ryan de la saison 3 de Comment devenir adulte sur UniTV. Et aujourd'hui, on va discuter les 4 façons de savoir si votre crush vous aime ou non. Alors, numéro 4 des façons de savoir si votre crush vous aime ou non, c'est la façon qu'elle réagit à vos mauvaises comme blagues. Si tu es en train de dire une blague, tu sais toi-même qu'elle est vraiment mauvaise. Mais elle est en train de rire comme tu sais définitivement qu'elle t'aime. Alors, numéro 3 des façons de savoir si ton crush t'aime, c'est si elle veut emprunter tes habits. Comme si une fille est en train d'emprunter ton t-shirt ou même ton sweater, c'est car elle veut sentir ton odeur. Et sentir comme si elle est même plus proche que toi. Car pour elle, tes habits, c'est juste un câlin éternel. Alors, numéro 2, les façons de savoir si ton crush t'aime, c'est qu'elle veut passer du temps avec toi. Et par ça, je veux dire du temps avec toi et seulement toi. Comme si vous êtes avec un groupe de gens et elle est vraiment comme timide et elle ne parle pas beaucoup, c'est qu'elle veut juste être avec toi et pas avec un groupe de gens. Prenez un hint. Si vous invitez ta blonde à faire quelque chose et vous mentionnez que tes bros viennent aussi et comme tout à coup elle ne veut plus venir, c'est parce qu'elle t'aime. Numéro 1 des façons de savoir si votre crush vous aime, c'est la façon qu'elle répond à vos textes. Si elle répond vraiment rapidement avec plusieurs emojis, c'est car elle vous aime. Et le plus d'emojis qu'elle utilise, le plus elle vous aime. Alors, les emojis les plus fréquents que les filles utilisent quand elles vous aiment sont numéro 1, 100%, c'est le laughing emoji. Celui qui rigole beaucoup. C'est car elles veulent vous montrer que vous êtes drôle, même si vous ne l'êtes pas. Le deuxième, c'est celui qui est en train de faire un bisou. C'est comme... Et le troisième, c'est probablement le souriant. C'est qu'elle essaye d'être mignonne et sourde. Alors, guys, merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment savoir si votre crush vous aime. Et si vous avez aimé mes conseils, s'il vous plaît, laissez un like, abonnez-vous et surtout laissez un petit commentaire. Et n'oubliez pas de regarder la saison 4 de Comment devenir adulte sur UniTV.